Tu passes sur moi, y'a R. Nanana, y'a R. Y'a des mecs en gilet jaune qui bloquent des autoroutes en mode fianso. On est là, on fait que critiquer le rap, mais pour prendre les idées des rappeurs, là, y'a pas de problème. À la base, hein, ces mecs foutent la merde parce que le prix du carburant augmente. Parce que c'est vrai, hein, si maintenant tu veux paraître riche, prends-toi en selfie en faisant le plein, t'auras l'air d'un milliardaire, hein. Et je serais pas du tout étonné, hein, si demain y'a des mecs qui me proposent du diesel en mode, hey, frère, tu veux du diesel? Du bon diesel, sa mère? En fait, pour lutter contre le réchauffement climatique et la pollution, l'État augmente le prix des carburants avec une logique d'un enfant de 4 ans. Mais si on augmente le prix des carburants, ça veut dire que les gens ils vont plus utiliser leur voiture? Ça veut dire qu'ils vont consommer moins, non? Putain, les gars! Je crois que j'ai trop fumé là, non? Mais bordel, comment s'est passée cette réunion pour prendre une telle décision? Bon, les gars, j'ai une idée. Pour que les gens arrêtent de rouler en voiture et donc pour polluer moins, on va faire la gratuité sur les transports en commun. On va faire moins 50% sur tous les véhicules électriques et on va offrir des vélos gratuitement. Je rigole. Non, on va augmenter les taxes sur les carburants. Comme ça, quand les mecs devront choisir entre manger et faire le plein, ils vont réfléchir. Depuis quand augmenter les prix, ça fait changer quelque chose? Regarde les clopes, ça fait qu'augmenter. Bientôt, donner une cigarette à un mec dans la rue, ça sera considéré comme faire un don. Alors là, hier, les gars, j'ai rencontré un mec d'une générosité incroyable. Il m'a passé 2 clopes. Ah oui, les gens sont bons, hein, les gens sont bons. Hein. Et je comprends qu'il y a des gens en colère qui manifestent. Mais il y a quand même des trucs que je trouve un peu dommage. Par exemple, quand on a appris qu'en 40 ans, 60% de nos animaux ont disparu. À ce moment-là, il y avait R, hein. Il y avait ni gilet jaune, noir, vert, rouge, rien du tout. Je sais pas quoi, tu sais, même quand il y a un rapport fait par des scientifiques, hein, là je te parle des mecs qui ont pas simplement le bac, qui te disent que si on ne fait rien maintenant, dans quelques années, la France et la Belgique auront le même climat que Cuba. Là encore une fois, R de chez R, hein. Quand on a appris qu'il y avait un 7e continent, et là je te parle pas d'un continent, tu sais, enfui dans les océans, je te parle quand même d'un continent qui est totalement en plastique, un truc qui est en train de tuer nos océans, et à part vouloir faire des top 1 à Fortnite, dites-moi qu'est-ce qu'on fait? Quand on sait par exemple que un tiers de la viande qu'on bouffe, on sait pas la retracer, on sait pas d'où elle vient. Peut-être que ça fait 20 ans qu'on bouffe du chien, on sait même pas. Et là encore une fois, il y a personne. Ça fait 40 ans qu'on empoisonne nos enfants avec du glyphosate. Il y a des gosses qui naissent avec 3 oreilles sur le front. Il y a des cancers, des maladies. On le sait très bien, et qu'est-ce qu'on fait? On danse sur du Aya Nakamura dans une chicha. On est où quand il y a des mecs qui portent ce genre de veste? On est où là? Ça mérite une manifestation mondiale. Ces gens-là portent atteinte à notre liberté visuelle, à notre démocratie. Qu'est-ce qu'on fait contre ce fléau? On sait depuis quelques jours qu'il y a 2/3 des gens au monde qui n'ont pas accès à des toilettes. Aujourd'hui, en 2018, il y a des gens qui n'ont pas accès à ce petit moment agréable, ce petit moment parfumé, sans risquer d'attraper des maladies du Moyen-Âge. Et à part faire des boomerangs sur Instagram, qu'est-ce qu'on fait? Toutes ces choses, c'est quand même un peu important. Mais c'est quand même dingue qu'il ait fallu une augmentation de 40 cents sur un litre de diesel pour que les gens se réveillent en mode quoi? 40 cents? Alors, je pense pas que le combat des gilets jaunes soit un mauvais combat. Je pense juste que c'est peut-être pas le bon. Je sais pas, on aurait pu utiliser cette merveilleuse énergie, cette merveilleuse mobilisation pour des choses qui dépassent nos portefeuilles, qui dépassent notre confort personnel. Des choses pour le bien de la planète et de l'humanité. Parce que si demain, il n'y a plus d'animaux, plus de nature, plus de nourriture, donc plus de planète, t'auras beau avoir le carburant que tu veux au prix que tu veux, il te servira à rien. Alors pour toutes les personnes qui n'ont pas compris mon message et qui veulent quand même m'insulter, vous pouvez m'envoyer un mail à jetemmerdeabdel@gmail.com. Merci à tous, c'était Abdel, rendez-vous à la semaine prochaine, peace.